This little girl was taken to Syria and taken out of her house. Alors cette jeune fille est emmenée en Syrie, on l'a sortie de sa maison. And a place where is different language. Dans une place où il y a une langue différente. Culture, une culture différente. Different God. Un Dieu différent. Different food. La nourriture différente. And also a place of the enemy. Et aussi une place de l'ennemi. And what happened in the law of war? Alors, qu'est-ce qui arrivait dans la loi de la guerre? When one captive is serving in the house of the general, quand un captif sert dans la maison du général, have right to be free only when the Lord will die. Elle a droit à sa liberté seulement quand son Seigneur va mourir. This little girl was need to serve in the house of Naaman until Naaman will die. Alors, cette jeune fille devait servir dans sa maison de Naaman jusqu'à temps que lui meure. After Naaman will die, après qu'il meure, she will be released from the slavery. Elle serait plus esclave. And what get my attention. Qu'est-ce qui a eu mon attention? Is that this little girl, c'est que cette petite fille, instead to pray God that the general will die as soon as possible, normalement aurait prié que le général meure aussitôt que possible. She did the opposite. Mais au lieu, elle a fait le contraire. She said, "Oh, may God will heal him." Elle a dit que Dieu le guérisse. And this is something mon that Dieu. I believe that many of us in the same situation. Je crois que plusieurs parmi nous dans la même situation. The first thing that we will do. La première chose qu'on ferait. Is to put our knees in the ground. C'est de s'agenouiller. And start to pray God. Et commencer à prier à Dieu. God, I am your son. Dieu, je suis ton and fils. This is your enemy. C'est ton ennemi. And I am captive in the hands of the enemy. Et je suis captif dans les mains please de l'ennemi. Kill him. S'il vous plaît, tue-le. That I will be free. Afin que je sois libre. It's something that makes sense for ça us. A du sens pour nous. But this girl, mais cette fille, did the opposite. A fait le contraire. Never ask God that will die the general Naaman. Elle n'a jamais demandé à Dieu que le général Naaman to be meure. Free. Pour être libre. But she asked God or desire with all the heart that he will be healed. Mais plutôt avec tout son cœur, elle a désiré que Naaman soit guéri. I can understand that for God is not the time. Pour Dieu, c'était pas le temps. Before can be after and after can be before. Le plus tard peut être avant, avant peut être plus tard. I believe that the Holy Spirit was in this little girl. Je crois que le Saint-Esprit était dans cette petite jeune fille. Even Jesus came to the earth after this girl. Même si Jésus serait venu pour entendre to, yeah, cette jeune fille. Many years after that situation. Plusieurs années après cette situation. But Yeshua taught us that we need to bless our enemy. Ah, Dieu nous dit qu'on doit bénir nos ennemis. And she obeyed that God said. Elle a obéi qu'est-ce que Dieu a dit. And she was a little girl. Elle était une petite fille. And she asked God. Elle a demandé à Dieu. Bless my enemy. Bénis mon ennemi. Instead to say kill my enemy. Au lieu de dire tue mon ennemi. And what happened? Et qu'est-ce qui est arrivé? You know the history. Vous connaissez l'histoire. The general Naaman, the leper, went to Israel. Alors le général Naaman, il est allé en Israël. The Bible said. La Bible dit. That in verse 9. Dans le verset 9. That Naaman came to Israel with the chariots and horses and a comitive. Alors Naaman est venu en Israël avec des chevaux et son char et un comité. And he came to the king of Israel. Est venu au roi d'Israël. But the king of Israel was very upset. Mais le roi d'Israël était très furieux. Because the general came. Parce que le général est venu. And was asking for healing. Demandait la guérison.
And he broke his clothes. Il a déchiré ses vêtements, le roi d'Israël. But the prophet, mais le prophète, Elijah, Élisée, said, ask him to come to me and we'll know that there is prophet in Israel. Alors plutôt demande-lui de venir me voir et on va savoir qu'il y a un prophète en Israël. And then Naaman came with all the horses and the chariots and the army that came with him. Alors Naaman est venu avec tous les chariots et l'armée qui venait avec lui et tous les chevaux. You need to figure out that he was a winner of the battle. On doit savoir que c'est lui qui avait gagné la bataille. And never will come alone to the place of the enemy. Alors jamais il viendrait seul à la place de l'ennemi. Never will give chance to Israel to get him alone. Alors jamais il voudrait donner une chance à Israël de se venger avec lui tout seul. And after win the battle, he was need to return to the same place. Alors après qu'il avait gagné la bataille, il devait revenir à la même place. Now not as a winner. Pas comme un gagnant. Not as a mighty army to make the war. Pas avec une grande armée puissante pour faire une guerre. But he was need to come humbly to be healed by the prophet in Israel. Alors au lieu il devait venir avec humilité voir le prophète en Israël. But when he came close to the house of the prophet. Alors quand il s'est approché de la maison du prophète. I make a film in my mind. J'ai comme une image dans mes pensées. That they come all the chariots and all the horses and all the troops with him, que toutes les troupes, les chevaux, les chariots venaient avec lui. Close to the Jordan River. Proche du Jourdain. And wasn't asphalt, not pavement. Alors il y avait pas d'asphalte. And was mud. C'était de la boue et de la terre. And he came with the chariot. Il arrivait avec les chariots. Stop the chariot. Il a arrêté le chariot juste devant la maison de Élisée. And came very fast one servant. Et vite est arrivé un serviteur. Opened the door of the chariot. Il ouvrit la porte du chariot. And put one red carpet. Il a mis un tapis rouge. Because he came with the clothes, very fine clothes. Parce qu'il est arrivé avec des vêtements de fin lin. And very shiny boots. Et des toutes qui brillaient, yeah, des bottes. And was mud close to the river. Et il y avait de la boue tout proche de la rivière. And he came and came down from the chariot. Alors il a descendu du chariot. And said to the servant like this, he says the carpet, the red voici carpet. Voici le tapis qui est là. And il dit au serviteur, please call the prophet. Alors s'il vous plaît. Va chercher le prophète. Tell him that I am here. Dis-y que moi je viens d'arriver. Tell him that will come to heal me. Dis-y de venir ici me guérir. And when he came to this place. Et quand il est arrivé à cette place-là. I believe that many people that were live there close. Que je crois que beaucoup de gens qui demeuraient tout proches. Climb outside of the houses to see what happened. Ils ont sorti de leur maison pour voir qu'est-ce qui s'est passé. And they realized that is the general Naaman that was the winner of the battle. Ils ont réalisé que le général Naaman qui avait gagné la bataille. And they expect to see what will happen now. Ils se demandaient qu'est-ce qui était pour se passer maintenant. And they are waiting what will happen. Ils attendaient pour voir qu'est-ce qui était pour arriver. And general Naaman is waiting that the prophet will. Et le général Naaman attendait que le prophète arrive. And the servant ran to the house of Elisha. Alors le serviteur a couru vers la maison d'Élisée. Please come very quickly. Et alors il a dit, my s'il vous plaît. My general is there. He's waiting for you. Alors viens vite parce que mon général t'attend. And Elisha was drinking lemonade. Et Élisée buvait de la limonade. Reading his Bible. Lisait sa Bible. And said, oh, he's there. Oh, il est là, il a dit. I said, okay, tell him that we'll go 7 times to the river. Alors, il a dit, dis-y que 7 fois, il doit se saucer dans l'eau du Jourdain. And the servant ran to Naaman. Et le serviteur courut voir Naaman. And white. Tout
tout blanc. And said, my Lord. Il a dit, mon Seigneur. Excuse me, I do not have nothing with that. J'ai rien à voir avec qu'est-ce qu'il a dit. I'm clean of that. Je m'efface de qu'est-ce qu'il a dit. Mais le prophète. Thought that you will go to take. How you say in English? To go to the river. Okay. Le prophète a dit que tu dois aller à la rivière. Yeah. De te saucer cette fois dans now, l'eau. Now if plonger. You go, now if you go to Petrie Island. Maintenant, si tu vas à une île. And you want to go to the water. Tu vas dans l'eau. Have place to change your clothes. Ça prend une place pour changer les vêtements. But in that time, close dans ce the temps-là, Jordan River, dans le Jourdain, no place to change clothes. Il n'y avait aucune place pour changer les vêtements, swimming short, pour mettre des vêtements pour aller à la baignade. No place to change clothes. Il n'y avait aucune place pour se changer nos vêtements. And General Naaman didn't come with towel to Et General Naaman n'avait même pas d'amener de serviette pour s'essuyer après. When the prophet told him to go seven times to the water. Alors quand le prophète lui a dit de se tremper sept fois dans l'eau. The first thing, the people that was around. La première chose qui est arrivée, les gens qui étaient autour. They were Israelites that lost the battle. Alors c'est des personnes d'Israël qui avaient perdu la bataille. I believe that they start to clap hand and said, go, 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 go. Peut-être ils applaudissaient et disaient, vas-y, vas-y, vas-y. Because in their mind it's an humiliation to go to there with all the clothes and with all the fine clothes and the shining boats. Pour eux autres, c'était comme une humiliation qu'elles se courbaient avec tous ces beaux lins, ces beaux vêtements d'aller salir dans l'eau. The Bible said that Naaman was very upset. Alors la Bible dit que Naaman était furieux, irrité. And wants to return to Syria. Il voulait retourner en Syrie. But the servant said, if the prophet will say something big, you will do that. Et le serviteur a dit, si le prophète aurait dit quelque chose de grand, tu l'aurais fait. Though this little thing, if you will do, maybe you will be healed. Il dit, cette petite chose, si tu le ferais, peut-être tu seras guéri. And now is the key of the message. Et voici la clé de tout le message. Naaman was very upset, furious. Alors, Naaman était irrité. And what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? Was close to explode. To explode. C'était prêt à exploser. Exploser, yeah. And what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? The servant le serviteur said, give chance to the prophet. Donne une chance au prophète. It's like saying, give a chance to the God of Israel. Alors ça voulait dire, donne une chance au Dieu d'Israël. In that specific moment, dans ce moment spécifique, something special happened in Naaman. Quelque chose de spécial est arrivé en dedans de Naaman. In the Christian church, we used to say, dans l'Église chrétienne, on disait, open heart to God. Il a ouvert son cœur envers Dieu. He decide, il a décidé to throw away his proud, alors il a décidé de mettre de côté son orgueil. And he said, the first thing il a that dit, he did, la première chose qu'il a faite, is okay. Okay. How many times you say that? Combien de fois qu'on a dit ça? Okay. Okay. When you say okay, quand tu dis okay, something happened in your heart. Quelque chose se passe dans ton cœur. You resign to your position. Tu te résignes à ta position. He was standing against God of Israel. Il était debout contre le Dieu d'Israël. And he decided to give a chance to the God of Israel. Mais là, il a décidé de donner une chance au Dieu d'Israël. The Bible does not say it, but I can say you that in that moment, en that ce moment-là, à cet instant-là, Naaman converted his heart to the God of Israel. Alors, Naaman s'est converti au Dieu d'Israël. And he became a son of God of Israel. Il est devenu un fils du Dieu d'Israël.
you will ask where is written. Tu vas me demander où est-ce que c'est écrit. I will show you. Je vais vous le montrer. It's written. C'est écrit. When Naaman decided to go to the Jordan River, quand Naaman a décidé d'aller vers le Jourdain, he decided the first step to go in direction to the river. Quand il a décidé de prendre le premier pas vers le fleuve, when he did this, the first step, lorsqu'il a fait le premier pas, the proud was behind. L'orgueil était en arrière. The second step, le deuxième pas, the superb threw away. The superb. Superb? Superb? Soberbia. You don't know? When use another think, word. You think that you are the best of the Lord. OK, le meilleur de tout le monde est yeah. parti. Throw away. Yeah. The next step. Le prochain pas. He surround himself to God. Il s'est soumis à Dieu. And when he decide to give the first step. Et lorsqu'il a décidé, quand il a décidé de prendre God le premier pas. God starts to heal his soul. Dieu a commencé à guérir son âme. He starts to change his soul. Il a commencé à changer son âme. When he came to the border of the river. Lorsqu'il est arrivé sur le bord de la rivière. He was totally changed in his soul. Il était complètement changé dans son âme. He wasn't the same person. Il n'était plus la même personne. He converted himself to God. Il s'est converti à Dieu. No more the old Naaman, but il now n'était the plus new l'ancien Naaman, mais le nouveau Naaman. He born again. Il était né de nouveau. Amen. And I have a question for you. J'ai une question pour vous. He was now totally healed in his soul. Il était maintenant totalement guéri dans son âme. If he will not convert himself to God, s'il ne se convertirait pas à Dieu, and will go seven times to the water, et aller sept fois se plonger dans l'eau, will be healed. Est-ce qu'il aurait été guéri? Yes or not? Yes. Well, maybe we didn't understand Why? Properly. What was your question again? If he will not convert himself s'il n'aurait pas été converti before the water, avant d'être dans l'eau, he will be healed if he will go to the. Est-ce qu'il aurait été guéri en s'en allant dans l'eau? Yes, will be healed. Oui, il serait guéri. Because never the prophet said him, convert yourself and go seven times to the river and you will be healed. Jamais le prophète a dit convertis-toi puis ensuite plonge-toi sept fois dans l'eau. The prophet said only go seven times and you will be healed. Alors il a dit va plonge-toi sept fois et tu seras guéri. The problem is he will not be convert himself to God. À ce moment-là, il ne sera pas converti we'll à Dieu the river en allant times, vers la rivière sept fois and we'll come out from the river, en sortant totally de l'eau healed in totalement his flesh, guéri dans sa chair. But we'll go to hell without leper. Il aurait pu aller en enfer sans la lèpre. It's better to go to the kingdom of heaven c'est with mieux d'aller lepra au ciel to hell with, avec without la lèpre. Lepra. Que d'aller en enfer. You understand? No, I don't quite understand. OK, quand même que vous comprenez. Yeah, explain her. Je suis longue à comprendre, moi. C'est mieux d'aller au ciel avec la lèpre qu'aller en enfer sans la lèpre. Amen. You understand? Yes. And what happened? I promise you that next year we'll come and we'll preach in French. L'année prochaine, on va revenir et on va prêcher en français. La prochaine. Yeah, ça fait juste deux ans qu'il parle anglais. And what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? This man goes to the water. Cet homme est allé vers l'eau. And came totally healed. Il est sorti complètement guéri. The Bible says that he came out as the body as a baby. Il était tellement comme un bébé, tellement que sa peau était belle. A little child. Comme un petit enfant. This is proof that he born again. C'est une preuve qu'il est né de nouveau. And you said, how you know that he born again? Comment tu peux savoir qu'il est né de nouveau?
The Bible said, la Bible dit, in verse 14, dans le verset 14, so he went down and dipped himself seven times in the Jordan according to the word of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Alors, il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Remember that I said that the little girl that was captive. Rappelez-vous que j'ai dit que la petite fille qui était captive. Pray God that he will be healed. A prié à Dieu qu'il soit guéri. My question. Ma question est. She did a good deal or not? A fait une bonne chose ou pas? If she will pray. Si elle pria. She will pray that the general will die. Si elle aurait prié que le général meure. Maybe we'll take 80 years. Peut-être until ça leur we'll a pris 80 années avant qu'il meure. Ça aurait pu we prendre ça. On ne sait pas. Maybe 70 years. Peut-être 70 ans. In Spanish we say hierba mala nunca muere. En espagnol il dit ça. A bad herb never die. Les mauvaises herbes ne meurent jamais. It's like that. Something like that. And what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? She prayed God that he will be healed. Elle a prié à Dieu qu'il soit guéri. The Bible said, pray for your enemies. La Bible dit de prier pour nos ennemis. And what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? In verse 15. Dans le verset 15. Said when he returned to the man of God with all his company and came and stood before him, he said, behold, now I know that there is no God in all the earth, but only in Israel. Alors Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présentait devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. This is proof that he converted himself to God of Israel. Alors voici une preuve qu'il s'est converti au Dieu d'Israël. Yeah, in verse 18, because verse I want 18, to short. Je veux raccourcir. This, in this matter, my Lord, may the Lord pardon your servant when my master goes into the house of Rimmon to worship there, and he lands on my hand. And I bow myself in the house of Rimmon. When I bow myself in the house of Rimmon, the Lord pardon your servant in this matter. Alors, voici ce que je prie l'Éternel de pardonner à son serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimmon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur sa main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimmon. Veuille, Éternel, pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternais dans la maison de Rimmon. What happened? Qu'est-ce qui est arrivé? He do not only convert himself, non seulement il s'est converti, but immediately wants to give a good testimony. Mais immédiatement, il voulait donner un bon témoignage. Because he said to the prophet, parce qu'il a dit au prophète, if I will go with the king of Syria to the house of Rimmon, alors, si je vois avec le roi de Syrie, and avec la maison de Rimmon, and he lied, come here to help me. Viens, yeah, Simon, yeah, avant. Yeah. Simon, oui, Simon. Yeah, viens oui, l'aider. Simon. Come, Simon. Simon. Viens l'aider, Simon. Let's think that he is the king of Syria. On va faire semblant qu'il est le roi very de old, Syrie. Very old man. Il vient très, très vieux. And I am the prime minister of Syria. Et je suis le premier ministre General de Syrie. General Naaman. Le général Naaman. And I need to go with him to the temple of Rimmon. Alors, on a besoin d'aller ensemble au temple de Rimmon. And he is a very ancient person. Et puis, il est très, très vieux. And he lied in my hand. Alors, il est obligé de tenir ma main. I need to be sure that he will not fall. Moi, je dois faire attention qu'il ne tombe we pas. We go to the house of Rimmon. On voit la maison de Rimmon. He wants to worship Rimmon. Il veut adorer Rimmon. And he will bow down. Il va s'agenouiller. And I need to bow down
Ben, je suis obligé de m'agenouiller avec lui. Because if not, he will fall. Sinon, il va tomber. You understand? Vous comprenez? And for that, I asked the prophet Elijah. Alors pour ça, j'ai demandé au prophète Élisée. If people will see that I bow down. Si les gens voient que je m'agenouille, je me courbe avec le roi. It's not because I am bow down before the Rimmon. C'est pas que je me courbe devant Rimmon. It's not only that the old king will not fall. C'est pas que juste que le roi is giving tombe a good pas. Testimony. C'est pour donner un bon témoignage. It's proof that he converted himself. On voit ici qu'il s'est converti. And what happened? Qu'est-ce qui est arrivé? Here the Bible does not say that. La Bible dit pas ça. Do not say that. Alors dis pas que la Bible dit ça. But I am sure of that. Mais je suis sûr. That when General Naaman returned home, que quand le général Naaman est retourné à la maison, was grateful to God, il était reconnaissant à Dieu. Because now he's healed, maintenant il est guéri. But especially because now he knows the true God. Mais aussi, plus que ça, c'est maintenant il connaît le vrai Dieu. And what do you think that he did with this little girl? Alors qu'est-ce que tu penses qu'il a fait avec la petite fille? I believe the first thing is to release her. La première chose, je crois, c'est de la relâcher, lui demander pardon. And to send her with comitive and chariots and horses. L'envoyer avec des chariots, un comité, to bring her des chars, back home, des chevaux pour la ramener chez with elle. Many gifts to avec, the parents of this avec little beaucoup girl. De cadeaux pour les parents de cette petite as fille. Gratitude, comme remerciement, reconnaissance. She said, oh, you need to be there to be healed. Alors, parce que c'est elle qui a dit, tu dois aller là-bas pour être guéri. What we learn of that? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? When you pray quand for tu pries your enemy, pour ton ennemi, and when you bless your enemy, et quand tu bénis ton ennemi, you will be blessed. Tu vas être béni. How many Christian people? Combien de chrétiens? Have a neighbor that did something wrong to us. Il y a un voisin qui lui a fait du mal. And they are very, very faithful servants of God. C'est des serviteurs très fidèles à Dieu. And come to their room, close the room, and put the knees in the. Et dans leur chambre, ils s'agenouillent. And said, God, ils disent, Dieu, I want to bring my neighbor before your justice. Je veux emmener mon voisin devant la justice, ta justice. How many times you did that? Combien de fois vous avez fait ça? When you did that, quand tu as fait ça, when you say, God, ah, oh God, this is my enemy. Quand tu dis, oh Dieu, c'est mon I ennemi. Put him before your justice. Je le mets devant ta justice, mon ennemi. Really, the mean is God. Ça veut I dire, want to kill him. Dieu, je veux le tuer. But I am believer. Mais I je am suis Christian. Un croyant. I je suis un chrétien. Kill him. Please kill you him. Mais plutôt toi, tu l'es, Seigneur. When you bring the person before the justice of God, quand tu amènes la personne, God will punish him. Tu espères quand tu amènes cette personne devant Dieu pour la justice, c'est parce que tu veux le punir. Tu veux que Dieu le punisse. And what God answered to you? Et qu'est-ce que Dieu te répond? He is a sinner. Your enemy is a sinner. Alors, ton ennemi, c'est un pécheur. Pécheur. And what happened? Qu'est-ce qui arrive? Where the sin is big, où le péché abonde, the mercy is big. Bigger, is abundant. Sa miséricorde surabonde. And God knows that he is sinner. Alors Dieu le sait qu'il est pécheur. God knows the péché of your enemy. Dieu connaît les péchés de ton ennemi. And he will wait and he will convert. Il va attendre puis qu'il se convertisse. But when you bring your enemy and you before God to make justice. Alors, quand tu amènes ton ennemi devant Dieu pour avoir la justice, how God will see you? Comment Dieu va te voir? God will ask you, Dieu va te you demander, are Christian. Tu es un chrétien. What I taught you? Qu'est-ce que je t'ai dit? I said you that you need to bless him. J'ai dit que tu dois bénir ton ennemi. And instead to bless him, you are the sign that I will punish him. Si tu le bénis,
Yeah. Instead to ask me to bless him, you ask me, ask God to punish there. Au lieu tu demandes de bénir, tu me demandes de le punir. And you will be in the balance, how you call? Dans la balance, tu vas être. Dans la balance, you will sit in one side. Tu vas être assis sur un côté. In the other side, ton ennemi dans l'autre côté. And the balance will against you. Et la balance va être contre toi. Because you know God. Parce que toi, tu connais Dieu. And you want vengeance. Et tu veux de la vengeance pour lui. Never put your enemy before the justice of God. Ne mettez jamais votre ennemi devant la justice de Dieu. Yeshua said, Dieu dit that you need to bless him. Tu as besoin de le bénir. And you need to pray for him. Tu as besoin de prier pour lui. And if you will do that, et si tu le fais, you will be blessed. C'est toi qui vas être béni. As this little girl. Comme cette petite fille. We need to learn from this little girl. On a besoin d'apprendre de cette petite She fille. Knew Elle savait that if the general will die, que si le général était pour mourir, she will release from the captivity. Alors seulement à ce moment-là va être relâché de la captivité. But she knew that if he will be healed, mais elle savait que s'il serait guéri, by the mercy of God, par la miséricorde de Dieu, he will convert himself, il va se convertir, and will bless her more than if will die. Il était pour la bénir beaucoup plus que si il était pour mourir longtemps après. Remember the history of Job? Rappelez-vous l'histoire de Job. In Job chapter 42. Dans Job 42 pour l'écran s'il vous plaît. The last chapter of Job. Le dernier chapitre de Job. In verse 10. Dans le verset 10. Job lost all. Job avait tout perdu. And when God restored all the things to him, et quand Dieu lui a tout remis, when he prayed for his friends, quand il a prié pour ses amis, you know that his friends become his enemies. Ses amis sont devenus comme and ses all the ennemis. Time, they were against Job. Tout le temps, il était contre Job. At the end, à la fin, Job prayed for him. Job a prié pour lui. And God blessed Job. Et Dieu a remis, a multiplié à Job. And give him back all that he lost in the past. Il lui a remis tout ce qu'il avait perdu dans le passé et même le double. The best deal that you can do. La meilleure chose que tu peux faire. Is to bless your enemy. C'est de bénir tes ennemis. If someone did something wrong to you. Si quelqu'un t'a fait du mal. Bless the person. Bénis la personne. If you will bless him, si tu bénis la personne, and if you will decide in your heart that he will convert to God, et si tu décides dans ton cœur que tu veux qu'il se convertisse à Dieu, and he will become from enemy will change to your best friend. De un ennemi va devenir ton meilleur ami. And needs to change our way to approach to our enemies. Alors on doit changer notre approche envers nos ennemis. Needs to bless them. On a besoin de bénir nos ennemis. If someone did something to you, si quelqu'un t'a fait du mal, and you have bitterness, et t'as de l'amertume, and if you want to be healed today, et si tu veux être guéri ce soir, you need to forgive. T'as besoin de pardonner. And you need to start to bless. Et t'as besoin de commencer à bénir la personne. And many people are sick. Et il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Because they have root of bitterness. Parce qu'il y a une racine d'amertume en dedans de leur cœur. And many people have cancer. Beaucoup de gens ont le cancer. Because bitterness. À cause de l'amertume en dedans de leur cœur. And many people have problems of anxiety and all. Beaucoup de gens problems. Ont des problèmes d'anxiété et toutes sortes de problèmes. Because bitterness. À cause de l'amertume. Never forget. Oubliez jamais. And now, today, God wants to heal you. Aujourd'hui, ce soir même, Dieu veut te guérir. All the time that you have bitterness in your heart. Tout le temps que vous avez de l'amertume dans votre cœur. You are connected with chains to your enemy. Tu
été connecté avec des chaînes à votre ennemi. And never you will be free. Et jamais tu seras libre. Of what happened. De qu'est-ce qui s'est passé. And you can move city. Tu peux déménager de ville. You can do whatever you wants to do. Tu peux faire toutes sortes de choses que tu veux faire. But your enemy will be as shadow that follow you. Mais ton ennemi va être comme un ombrage qui te suit. Until the day that you will bless. Jusqu'au jour que tu vas bénir. When you will bless your enemy. Quand tu you vas bénir ton ennemi. Him from your life. Tu vas le relâcher de ta vie. Your enemy is captive to your soul all the time that you do not bless him. L'ennemi est captif à ton âme tout le temps que tu le bénis pas. It's something very, very spiritual. Alors c'est très, très spirituel. We are not talking about flesh. On parle pas de la chair du tout. We are talking about the spirit. On parle de l'esprit. And Jesus knows that. Et Jésus le sait. And the first thing that he said us. La première chose qu'il nous a dit. Is bless your enemy. C'est bénis ton ennemi. He said. It's written that you need to love who loves you and to hate who hates you. Et but c'est écrit, I say to you, c'est écrit, tu dois aimer ceux qui t'aiment et haïr ceux qui t'haïssent. Mais moi, je te dis, something needs to change. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. And the changes, you will change. Et lorsque tu le changes, now c'est toi qui dois le changer. Your enemy. Maintenant, c'est toi qui vas bénir then ton you ennemi. Will be blessed. Ensuite, c'est toi qui vas être béni. If you need to healing now, I want si to tu as besoin you, de guérison maintenant, je dois vous demander. That you will come here and I will venez pray ici for en you. Avant puis je vais prier pour vous. And you will release blessings for the persons that did wrong for you. Alors tu vas relâcher des bénédictions pour les personnes qui vous ont fait du tort. Have people that carry for 50 years. Il y a des personnes qui ont transporté pendant 50 ans. Bitterness against l'amertume. Father that was abusive. Contre un père qui était abusif. And some people that they passed through sexual abuse. Il y en a qui ont eu passé à travers l'abus sexuel. And people that passed through moral abuse. Et d'autres l'abus moral. And people that passed through injustice. Et des gens qui ont passé des injustices. I know some person that was injustice. Je connais quelqu'un qui a eu beaucoup d'injustice. Accusé de quelque chose qu'il n'a jamais fait. And he was in prison 20 years. Il a été 20 ans en prison. For something that never did. Et pour quelque chose qu'il n'a jamais fait. And the day that was released from the prison, la journée qu'il est sorti de prison, il a été relâché. He was a new person. Il était une nouvelle personne. Because he blessed parce qu'il a décidé de bénir the person that accused him la personne qui l'avait accusé injustice. Faussement. If you need to release si vous avez besoin de relâcher du pardon, if you want to bless the person that did something bad to you, si vous voulez bénir la personne qui a fait vous avez du mal. S'il vous plaît, avancez. Je veux prier pour vous. Je veux prier pour vous. And God will change your history. Et Dieu va changer ton histoire. In the same way that God changed the history of Job. Et de la même façon que Dieu a changé l'histoire de Job. Many people follow God. Beaucoup de gens suivent Dieu. Many people are faithful to God. Beaucoup de gens sont fidèles à Dieu. Loves God. Aiment Dieu. And walk with God, et marche avec Dieu. Obey God, obéissent Dieu. But never I they are blessed because sont they, jamais bénis. They never bless the enemies. Parce que jamais ils ont béni leurs ennemis. If you need healing, please come. Si vous avez besoin de guérison, venez s'il vous plaît. Even my English is not too good. Même si mon anglais est pas trop bon. But the Spirit of God, l'esprit de Dieu, dwells here, est ici, and will heal you. Il va vous guérir. And your life never will be the same. Et ta vie sera jamais plus la même. If you carry as a yoke in your shoulders. Si vous avez un fardeau sur vos épaules. A lack of forgiveness. Un manque de pardon. God wants to heal you today. Dieu veut vous guérir aujourd'hui. And you will give testimony in couple weeks. Et vous allez donner un témoignage dans une couple de semaines. How God will heal you.
comment Dieu vous a guéri. And will change your history. Il va changer votre histoire. And God will write a new sheet in your book. Il va écrire une nouvelle feuille dans votre and livre. Your life never will be the same. Votre vie ne sera jamais plus la même. Someone else wants prayer? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut la prière? Thank you, Lord. Merci, Seigneur. I want to ask the presence of your Holy Spirit now. Je veux te demander la présence de ton Saint-Esprit maintenant. All these people that come to the front before et tous ces altar. Gens qui viennent en avant maintenant, I want je t'amène. To ask you, Lord, that you will open your eyes. Je prie que Dieu ouvre vos open yeux, your ears to vos listen. Oreilles. The cry that comes from the heart. Pour entendre le cri qui vient du cœur. And I ask you, Lord, that we'll touch with your Holy Spirit now. Je te demande de toucher avec ton Saint-Esprit maintenant. I ask you, Lord, that you will clean now the heart. Je te demande de nettoyer le cœur. Will change all the things that was in the past. Que tu changes toutes les choses qui étaient dans le passé. Remove all the bitterness. Enlève toute amertume. And clean all. Et nettoie tout. And remove enlève all that is wandering here. Enlève. Change, Lord. Change this heart. Change. And clean. Nettoie. Make new things, Lord. Heal. Guéris. In the name of Yeshua Mashiach, Señor, coloco esta vida delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que puedas bendecir poderosamente con tu espíritu. Señor, toca ahora poderosamente, removiendo todo aquello que no te pertenece, toda amargura que hay en el corazón, toda raíz de amargura. En el nombre de Yeshua Mashiach, va saliendo ahora, va quemando ahora por el poder de Dios. Señor, cura ahora. Heal now, Lord. Heal. Giri, maintenant. Touch. And blow. Souffle. New wings. New wings over this body in the name of Yeshua Mashiach. Señor, toma nuestra vida también, toca poderosamente, Señor. Maintenant, remueve Jesus, toda amargura que hay en el corazón. Libère, remove Jesus, all bitterness that is que in the soul, the heart, and make all things new things que in this body, nouvelles, in this soul, in the name of Yeshua Mashiach. We declare now free of bitterness in the name of Yeshua Mashiach. On enlève toute amertume. Au nom de Jésus, libre de toute amertume, au nom de Jésus. Oh Señor, toma, Señor, en tus manos, toca poderosamente, Señor. Remueve ahora, Señor, oh Dios, en este momento toda amargura del corazón y limpia, Señor. Touch with your hand now. Touche avec oh ta main Lord, maintenant. And remove all bitterness. Enlève toute amertume. And make that she will bless the person that fait qu'elle puisse bénir in the la name personne of Yeshua Mashiach. Qui lui a fait du mal. Oh Seigneur, toma, Señor, estas vidas en tu presencia. Oh Lord, take this life in your presence also. Prends cette vie dans ta présence. Touch the heart, Lord. Touche le cœur. Blow your spirit. Souffle ton esprit. Burn all that do not belong to you. Enlève tout ce qui t'appartient pas. Remove all the roots of bitterness. Toute amertume, toute racine d'amertume. May that she will bless the qu'elle person puisse bénir la personne qui a fait mal. That will bless the enemy and will release the on relâche la personne. In the name of Yeshua, au nom Mashiach, de Jésus. All the chains are broken. Toutes les chaînes sont brisées. And nothing more connect. Qu'il n'y a plus rien qui connecte. With the past. Avec le passé. We remove the on enlève umbilical cord, toute la corde ombilicale that is connecting with the past, qui connecte avec le and passé. We declare now that on déclare que tu es guéri in the name of Yeshua, au nom de Jésus, Yeshua. Seigneur, tome esta vida también en tu nombre. Touch this heart. Touch this cœur, life. Touche cette personne. And remove also all the roots of bitterness. Enlève toute amertume, les and racines. That he will forgive and will bless. Qu'il puisse pardonner et in bénir la personne. Name of Yeshua, au nom de Jésus. Seigneur, toma, Seigneur, esta persona también. Bring this person before the altar, Lord. You know amène cette heart personne à l'autel. And I ask you, Lord, that je you will remove que tu the enlèves roots of bitterness toute racine d'amertume. Change the heart. Tu changes le cœur. Make that he will bless the person qu'il puisse bénir the la personne qui a in fait the du mal. Name of Yeshua au nom de Jésus. We release of on relâche toute amertume. And we declare that now is clean. On déclare in the name of Yeshua que tout est propre au nom de Jésus. Tout.
au nom de Jésus. Came, came. Send fire. Envoie le feu. In the name of Yeshua, au nom de Jésus. Oh, regarde, so. Thank you, Lord. Merci, thank Seigneur. You for this time. Merci pour ce temps. Oh Lord, we declare that the presence of your Holy Spirit is on here. On déclare que la présence de ton we Saint-Esprit est ici. Moving. Que tu agis. And you are touching people. Et tu touches des gens. Even those that didn't come to the front. Même ceux qui ne sont pas avancés. I ask you, Lord, that you will je te demande que tu enlèves all the roots of bitterness, toute racine d'amertume. That they will forgive, qu'ils puissent pardonner. And they will pray and bless the enemies, et qu'ils vont prier et bénir leurs ennemis. And we cut all the bingles with the past. On coupe tout lien avec le passé. In the name of Yeshua Mashiach. Et au nom de Jésus. Amen. Praise God. I love you. Osem. Kiss to you. Amen.